Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le directeur Web TV. Vous allez dire, il prend racine au Val du Rio et hier soir, aujourd'hui, je suis donc au Val du Rio de Caudry avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Michel. Alors Hélène, responsable des animations ici. Voilà, genre d'animation de la base. La base d'ailleurs, combien d'hectares la base? Elle est grande, hein? Alors pour l'instant, 12 hectares et une zone d'extension. Bientôt. On l'espère. Oui. J'ai vu aussi, y a des. Bon, on va parler d'une journée spéciale, mais j'ai vu, il y a des poneys, il y a des structures, il y a plein de choses en ce moment pour les enfants. Voilà, alors on a nos deux prestataires estivaux, Julie et ses poneys, et puis Cédric et les jeux gonflables. Et bientôt, en juillet, normalement, ouvrira la nouvelle aire de jeux pour les enfants de 1 à 14 ans. C'est vrai qu'ils sont en train de. Ils s'activent, hein. Voilà. Alors nous on est là parce que vous allez organiser une manifestation au mois de juin. La date elle est derrière nous, le 17 juin. C'est quoi cette manifestation? Alors les artistes croquent le Val. Donc c'est une manifestation, comme son nom l'indique, qui est consacrée à l'art, à la culture. Artistes de tout horizon. Donc nous notre but c'est vraiment de faire descendre l'art dans la rue, enfin en l'occurrence... dans la rue, mais voilà, dans la base, et d'inviter les artistes à venir exprimer leur talent sur la base ce jour-là, en peignant, dessinant, sculptant, voilà, les lieux. Et puis, en parallèle de ce travail en direct, on aura aussi des expositions, des démonstrations et des ateliers pour les enfants. Alors moi qui suis pas peintre, si je veux venir, alors il faut amener du matériel, un petit peu. Voilà, alors sinon on aura quand même un atelier dessin pour les enfants. Donc là, ils auront tout à disposition. Mais sinon, vous pouvez venir en famille avec votre carnet de croquis, votre palette, votre pinceau. Nous, on mettra à disposition des tonnelles, des tables et des chaises. Donc si vous voulez vous préinscrire, on pourra vous accueillir dans de meilleures conditions d'ailleurs. Et puis voilà, ça permettra de se protéger du soleil, on l'espère, pas de la pluie. Elle n'est pas invitée. Alors donc si on veut s'inscrire, on vient ici au bureau, il y a un numéro de téléphone. Voilà, donc soit au bureau d'accueil, soit m'appelez-moi, donc directement les coordonnées sont sur ou les flyers, les affiches, sur notre site internet, notre page Facebook, voilà, ou par mail aussi. Alors, quel genre de démonstration? Vous avez déjà des peintres connus qui viennent faire les ateliers? Alors, on a le collectif 8 qui expose en ce moment aux ateliers culturels, qui travaille souvent avec nous, qui exposera ce jour-là. En démonstration, ce sont des ateliers aussi de l'OMC, puisqu'on travaille avec eux. Donc, peinture sur soie, sur porcelaine. On a un atelier scrapbooking pour les enfants. Un atelier mobile avec Girat, donc qui fait partie du collectif. Et puis d'autres démonstrations, peut-être sculpture sur bois et des intermèdes musicaux avec l'école de musique. Ça va être sympa là. J'espère, oui. Alors, il y a pas de raison. On rappelle, c'est totalement gratuit. Oui, voilà, comme toujours. Enfin, comme souvent chez nous, on va dire, pas toujours. Et puis il y aura des petites récompenses. On aura un quiz art et nature qui permettra de gagner sa caricature, parce qu'on aura un caricaturiste qui sera présent ce jour-là. Et puis aussi du maquillage pour enfants, gratuit. Ben c'est très bien, donc on redonne la date et les heures. Donc le dimanche 17 juin, la fête des pères, pour repères, de 10h à 18h. Donc vous pouvez venir dessiner papa sur la base de loisirs. Voilà, ou lui offrir sa caricature en répondant bien au questionnaire. Merci. D'autres projets à venir en tête? Quelque chose que vous préparez également? Alors on aura une fête, enfin plus fun on va dire, au mois de juillet normalement. Bon, je ne vais pas trop en dire, pour les enfants et les grands-enfants. Mais tour de saut, je ne sais pas si je peux trop... Oh non, ce sera la surprise. Voilà, et puis l'ouverture des jeux. Puis en septembre, notre rendez-vous nature, le Festival des Naturiades, les 8 et 9 septembre, que nous organisons tous les deux ans. Ben merci, bon courage pour le 17 alors. Ben merci à vous. Alors n'hésitez pas à vous regarder sur la page internet, la page Facebook du Val du Rio. Vous venez vous inscrire, vous venez nombreux. Et puis nous, on se dit rendez-vous la prochaine. Et vous nous retrouvez sur le www.ledirectdewebtv.fr. À bientôt.